et astuces. Épisode 7, le couteau et la téléportation. Dans cet épisode, nous allons voir comment se téléporter sur un toit, ou encore comment cuter à travers un mur, par exemple. Exercice pratique. Alors, le principe est simple. En fait, grâce au cut, vous allez pouvoir faire des bonds gigantesques. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous téléporter quasiment. Donc là, on va voir la vue extérieure. C'est les bornes qui est ici l'acteur, a réussi à se téléporter sur le toit en lançant un cut. Alors comment ça marche? Tout simplement, il faut spotter l'ennemi, courir et cutter. Ces trois combinaisons vous permettront d'assurer des cuts beaucoup plus facilement. Donc je spot l'ennemi est spoté, et je lance un cut alors qu'il est visible. Et à partir du moment où vous avez lancé votre cut, en courant avec l'ennemi spoté, ça sera d'autant plus efficace, et bien votre cut sera automatiquement dirigé vers la cible. C'est-à-dire que vous pouvez cutter un ennemi dos tourné au mur, comme je vais faire là. Je lance le cut, et automatiquement le cut va être lancé, alors que je regardais derrière moi. Évidemment, c'est pas très bien vu, parce que vous avez vu tout de suite le cut autodirigé, mais il faut donc savoir que le cut s'autodirige si vous êtes en mode course, et que l'ennemi est spoté, ça marche beaucoup mieux que si l'ennemi n'est pas spoté et que ne courait pas. Donc le principe, comme dit, est bien simple. Dès que vous voyez un ennemi, par exemple là, l'ennemi va passer devant la porte. On s'est mis un timing précis. Et je vais le cuter juste quand il passe devant la porte. Du coup, mon cut sera autodirigé, vu qu'il était spoté. Même pas, enfin là, il était même pas spoté dans cette situation-là. Mais quand il est spoté, ça marche encore mieux, normalement. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai constaté. J'ai constaté qu'il y a beaucoup plus de chances en course et en spot de cuter un ennemi. Mais ce n'est pas obligatoire, mais ça marche mieux. C'est ce que j'ai constaté. Là, par exemple, je spot, boum, je peux regarder, j'ai regardé la distance à laquelle j'ai fait un saut. J'ai fait un bond énorme. Grâce, encore une fois, au cut autodirigé. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ceci, par contre, n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que parfois ça ne marchera pas, parfois ça marchera dans des conditions énormes comme celle-ci. Ça reste assez aléatoire. Mais retenez bien une chose, c'est que quand vous courez et quand l'ennemi est spoté, le cut a tendance à mieux passer que si ce n'est pas le cas. Sur PC, sur console, je ne sais pas, je n'ai pas fait de test. Vous me direz dans les commentaires si c'est aussi le cas. J'ai aussi entendu parler dans les commentaires de personnes qui disaient que ça marchait mieux si on était en saut, en hauteur, et que ça marchait mieux si on avait le traceur à la main. Alors ça, je ne sais pas, je n'ai pas constaté de grosses différences, mais peut-être. Allez, j'espère que ce petit truc astuce vous aura plu, je vous dis bye bye et à la prochaine. Mais qui a éteint la lumière ?